Ok, salut à tous, tout a l'air de fonctionner correctement, donc du coup on va pouvoir se lancer dans ce nouveau type de vidéo. Alors évidemment vous avez sans doute déjà reconnu le jeu, c'est du League of Legends, donc ça va être ma première partie de League of Legends commentée. Ça fait un petit moment déjà que je joue au jeu, je dirais presque un an là maintenant. Alors j'ai pas un niveau de pro gamer, ça c'est sûr. Là je suis sur un compte assez bas niveau, c'est à dire que je suis niveau 23, je peux même pas encore faire de classé quoi que ce soit, donc c'est une normal game. Je voulais tester un peu, voir ce que ça donne en game de jouer et de commenter en même temps, donc j'espère que la game va être intéressante, qu'on va s'amuser. Vous avez vu que j'avais Sivir, je suis ADC donc. Alors en face, il y a Annie également, Kog'Maw et Dekari, Thresh support, Amumu jungle et Swain mid, ou alors Annie mid, je sais pas, enfin il y en a un des deux qui va être top, ça serait bizarre d'avancer comme ça, probablement Swain top. I'm good sup, ADC, do it nice play. Ok, on va envoyer du nice play, t'inquiète pas. Voilà, alors comme je disais, oui, donc je suis juste niveau 23, donc j'ai pas toutes mes runes, en plus j'ai pas assez, je manque de pays pour les acheter, donc elles sont même pas complètes. Là j'ai de l'armor en jaune, de la résistance magique en bleu, et j'ai un petit peu d'AD en rouge, mais c'est pas complet. On va laisser tranquille, parce que là sinon on va rater les premiers creeps. Ok. Bon bah donc on va voir ce que va donner la Annie. Donc on a raté le premier clip. Ah d'accord. Déjà on est content. Il n'y avait aucune raison qu'elle passe par le pivage en plus, bon c'est pas grave. C'était histoire de dire coucou. Alors c'est pareil, hein, Sivir je la joue quasiment jamais. C'est pas un champion qui est très difficile à prendre en main en même temps. Donc ça devrait aller. Très bien, mes premiers last hit, parce que là clairement j'ai galéré pour les premiers, je sais pas ce que j'ai foutu. Je push juste pour passer à niveau 2, le Viz qui se fit déjà sur la Annie. Ok, il a évité le retour. Là l'idée c'est qu'il est niveau 1, donc on va y mettre la pression. Dommage, pas loin, j'ai failli crever. Oh dommage l'aller-retour, il a failli passer l'aller-retour et là j'ai déjà plus de mana, je suis dans la merde. Ah c'est dommage, l'aller-retour il était pas loin de le tuer. Il a claqué sa pote à bonne issue. Malheureusement j'ai plus rien faire pour soi maintenant. Ok, elle a un peu déçu. Après j'avais pas de mana donc je pouvais rien faire. Il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il y a un boomerang niveau 2 aller-retour. Dommage. Pas passé du tout. Et non. Et non mon grand. Allez, rentre chez toi. Ok. Là je pense que j'ai pas trop de choix, il va falloir que je back. La Annie pourra dépouche un peu. Alors il va essayer de me grab, donc c'est gentil. Il a réussi. Ah je me suis fait complètement. En fait si j'avais pas bougé je suis même pas sûr qu'il passait le grab. Bon bah j'ai fait de la merde. Il a bien joué le Thresh. Et j'ai flashé pour que dalle. Parce que le Kog'Maw a flashé aussi quoi. Bref. Dommage dommage. J'ai fait de la merde.
Donc comme vous voyez, je joue très mal, je vous ai annoncé, on n'est pas là pour avoir du grand niveau, mais on va les défoncer, faut rester positif, il n'y aura pas de problème. Après c'est un Kog'Maw, donc en late game c'est infâme, mais bon, c'est pas grave. Là la ward n'est pas dans le bush. Hein. Oh non, t'es sérieux. Mais c'est le manque d'AD. Ok. Alors, bon, le trèche est de nouveau là. Donc là, la ward, moi je vais la placer dans le bush, histoire qu'on n'ait pas de problème à voir le trèche. Allez, retour sur les deux. Oui, il joue pas trop mal, comme moi. Là, j'aimerais bien qu'il tente un grab juste parce que j'ai le shield maintenant. Ah non, j'ai pas le shield, je suis bête, j'ai pris Z. Ça, c'est moi qui fais une bêtise. Le shield, il est très bien quand il permet d'éviter un sort. Et ça redonne de la mana. Je le prendrai au niveau 5, tant pis. Niveau 5, que voilà. Voilà, là j'ai récupéré de la mana. On se méfie parce que... Il est niveau 6 le Kog'Maw déjà. Moi pas du tout quoi. Là ça va commencer à poke méchamment. Ok, le Kog'Maw est pas bien quand même. Moi j'ai de nouveau plus de mana. Ah oh, c'est cool ça. Attends. La Annie elle a pris... elle a pris un spell d'invocateur qui ne sert à rien, mais là qui trouve tout son intérêt. Normalement faut pas, hein. C'est clarté je crois, ça s'appelle, qui redonne du mana. Clairement c'est pas le meilleur spell d'invocateur. Là je les push parce qu'ils ont probablement un back. Vu que le Kog'Maw était le life. Le Thresh n'a pas back. Du coup, on l'a mis mal, c'est très bien. Là je vais juste prendre les creeps et m'en aller. Oh mais là elle mis par contre. Ça servait à rien. Ce qu'elle a fait.
Alors, je peux pas faire encore. Ça commence déjà à s'énerver dans le chat alors qu'il s'est rien passé quoi. Oh là là. Bon, on se fait un peu gratter la tour du coup. Kog'Maw à 2-0-1, ouais, ça va être dérangeant. C'est pas faux, après on a notre fils qui est à 3-0-0. Yeah, c'est à peu près even pour l'instant. Mais Kog'Maw ça découpe hein, en late game. Oula, une espèce de lag. Très bien. Donc on est reparti pour cette bot lane. Ah, peut-être enfin une visite de Master Yi. Ah non, en fait, il viendra pas. C'est juste, ça l'intéresse pas. Il est totalement spotted là, mais... Voilà, le Kog'Maw a fait quelque chose de bizarre quand même, faut dire ce qui est. Et là, le Yi est tout seul. C'était vraiment épique. Vraiment, vraiment épique. Je t'avais. Je crois qu'il avait même pas vu la Mimu. Ok, là la Nia a plutôt bien joué. Le petit boomerang. La pizza est livrée. Aïe aïe aïe. Bon là Annie, faut qu'elle fasse gaffe quand même. Bon bah du coup on revient bien là dans la game. Le Kog'Maw il est déçu. Petit boomerang max range. Après je me suis fait avoir par le trash exactement pareil tout à l'heure donc bon. Franchement quoi. C'était épique. En fait, j'aurais pas dû y aller. J'aurais pas dû y aller parce que là je suis mangé. Ah mais le Yi là, il avait quoi? Il avait 3 HP. Allez, je vais me tuer, histoire de voir une attache un peu plus difficile. Là, vous galérez pas suffisamment, vous avez réussi à revenir, c'est pas normal. Aïe aïe aïe. Et le pire c'est que l'équipe mène au nombre de kills, hein, 9-7. Je pense que le Fizz il est très bien, 4-0. Le Wukong aussi, donc c'est parfait. Je suis plutôt content que le Wukong ait roulé sur le Swain parce que Swain aussi c'est relou en late game. Hein. C'est infâme à tuer. C'est finalement le seul vrai problème, c'est même Kog'Maw.
Ah, ça ne passe pas. Après, c'est pas grave, je régène pas mal en tapant les crits. What? Ah oui, c'est vrai qu'il a son sort qui lui augmente énormément sa range. Donc là, il a dû l'activer. Voilà, petit aller-retour. La Annie, t'es pas obligé d'aller sur les... Ah, fait chier. Il veut pas réussir à me grave. Je crois que la Annie, elle fait pas gaffe au missile. Alors... pas trop trop mal. Oh, je suis tellement au fond quoi, j'ai appuyé sur E, je me suis jeté dedans, j'ai pris les dommages et mon shield n'a pas été consommé. Va savoir pourquoi. Après la Annie a T-Burst, donc on pourrait vraiment faire mal si elle le cale bien. Et là j'ai consommé tout mon mana maintenant. Faudrait que je fasse gaffe. Avec Sylvia, je consomme trop de mana, faudrait que je fasse attention. Est-ce qu'on va avoir la soif de... ouais, on a la soif de sang à la maison. Donc c'est pas mal. Je crois que la game se passe toujours très bien pour mes collègues. Voilà, là ça l'a consommé. C'est parfait. Et merde, je suis allé dedans. Ah, le flashing n'est pas cool là. Non, j'ai fait de la merde. Pas été fichu d'esquiver le drap. Après, je pense que si je l'ai esquivé, c'était Annie qui prenait. Mais disons que si Annie l'avait pris, elle serait morte instantanément et j'aurais pas claqué. Et mon heal et mon flash. Comme mon 5e, il va vraiment être problématique. Hein. C'est bien. Première game que je commente. On feed. Quoi de mieux? Après j'ai pas regardé sur le Nexus, je sais pas du tout hein, si le Fizz est au-dessus du niveau de la game ou quoi, s'il y a des gens qui sont en classé ou s'il y a que des gens en non classé, unranked, et qui sont même pas niveau 30. Parce que ça crée quand même de gros déséquilibres à ce moment-là. Après le... Kog'Maw et le Thresh sont pas spécialement ouf, hein, surtout nous qui faisons de la merde. Pourquoi pas un Drake? Je sais pas moi. Pourquoi pas un Drake? Là, il s'est pas du tout wardé quoi. Donc, ah si, c'est wardé. Qu'est-ce que tu fais Annie quoi? Pas de rire. Comment c'est le Drake quoi? Okay.
qu'on a bien bait pour Fizz quand même. Il a mis son temps à arriver, mais ça a fait le taf. Ok. Et je crois qu'on a perdu personne. Hein. Non, très bien. Donc là, ça serait cool d'aller faire le Drake maintenant. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite sur Sivir? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un statique. Ah, Fizz est mort. Du coup, mais on fera même pas le Drake, c'est dommage. C'est bien, on les a incités à grid là dans la jungle. Du coup, ça s'est retourné contre eux. Réussi à survivre de justesse. Et maintenant, je vais me gaver de farm. Ok. Attention. Est-ce que je peux la prendre la tour? Ça va être pas évident, d'accord. Je pense que ça va passer. Ah ouais, là par contre, enfin je... Bon, c'est déjà un point au final. On va dire que c'est pas si mal. J'ai même pas pu taper la tour. Ils étaient dans le bush, quoi. Ils étaient dans le bush. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas attrapé quand je suis au moment où je suis passé, mais... Alors... Je vais pas m'en plaindre, hein. Très bien, nous continuons. Ouais, Fizz, il va voir que le Kog'Maw, c'est à quelques dommages. En gros, ce truc, il va falloir l'instant, sinon il va nous découper. C'est un perso que j'ai jamais joué non plus comme moi. Il est gratuit cette semaine. Là, ça m'étonnerait que Thresh soit tout seul dans les buissons étant donné que comme moi est au mid. Cette fois, on va essayer de la prendre. Sérieux, là? Aïe, aïe. Je pense que ça va passer. Kog'Maw, je sais pas où il est passé. Ok, ils sont au mid. Du coup, je vais continuer la push. Si la team se fait pas attraper, ça sera nickel. Donc l'ulti d'Amumu a fait mal. Oui oui, il est un peu faible, oui. C'est exact. C'est pas pour autant qu'on va sur elle. Soyez calme. Au pire, si personne ne peut venir m'embêter, je suis très bien. Je crois qu'au final, ça a été deux tourelles pour deux tourelles. C'était plutôt rentable pour nous. À part le fait que Kog'Maw a pris encore plus de kills. Il est à 7. Oui, oui, oui. Ça va commencer à devenir embêtant. Alors par contre, le fils, ça serait dommage qu'il ait juste retweet là. J'espère que non.
Ah oui, 1355, donc on va en vendre une. Je reprends ça. Il a respawn là le fils, il est sérieux? Mince, je suis en caps lock. I'll fight for a cause. I won't die for one. Il semblerait que oui. Zéro mental. Ah, du coup ça va nuire à l'intérêt de la game, ça. Je suis un peu désolé. C'est ainsi. En plus c'est ma faute au départ, donc on a la fille de coco. Mais bon voilà, il faut se donner un peu de difficulté. Ah il est gentil, le revoilà le poisson. Revoilà le poisson, c'est très bien. Je sais pas du tout où on va, mais on y va. Là, Annie est au mid. Annie est 15 quand même. Le Kog'Maw est au bot. Je continue à prendre le farm. Tout va bien. Fais gaffe à son petit burst. Alors là, elle a pas le stun chargé et il est loin d'être chargé d'ailleurs. Kog'Maw, on ne sait pas où il est. Je pense que Fizz le cherche. Ça va suffire ou pas? Oui. Comme il était sous Ignite, le heal l'a très peu soigné. Là, ils ont pas de creep, donc normalement ça devrait aller. Il y a les creeps qui arrivent. Ok. Ça a été défendu. Ok, très bien. Le fils qui fait son taf, c'est très bien, il a 10 kills maintenant. On est plutôt bien. Le Yi qui est toujours aussi suicidaire. Qui c'est qui a pris le kill? Oh, il est encore... Je crois qu'il est encore pire que notre botlane. Clairement, on a fait de la merde. Mais le Yi... Il est quand même magique. Alors, est-ce que je fais l'âme d'infini derrière? Je suppose que oui, ça serait la suite logique. Alors Annie elle est pas très bien là. Bon. Ça c'est gentil, c'est du kill gratuit. Je ne dis pas non. Je dis merci même. Ok. Ouh, il y a de la bave de Kog ici. Donc le Kog n'est pas loin. Oui, le Kog est juste là. C'est un peu ma faute.
lui. Alors. Est-ce que. Voilà. Le flash se décale pour le boomerang. Ça passe plutôt bien. Fils, il faut qu'il fasse gaffe. Malheureusement, on peut pas prendre la tour. Je manque cruellement de mana. Je crois que je dépense beaucoup trop. Mince. Ouais, je vais vendre une Doran Poppy. Je vais faire un dernier souffle. Ah, alors, du coup, est-ce que je vais donc vendre une Doran Poppy? Voilà. Je fais la lame d'infini après. Bon, bah, la game qui. J'ai une date serrée, donc bien. Oh. C'est quoi ce skin de Swain? Je sais pas trop. Ah, il m'a eu dans sa cage là, merci. Jambon. Ok, attends. Voilà, la Wing Ward ici, ça sert pas à grand chose, de toute façon il y a la tourelle juste à côté. Oui, il continue à prendre des coups, oui. Pas de problème. Voilà, je sais faire un câblage, malheureusement. Voilà, je vais demander, vous avez tous paqué dans l'ulti, à vue. Oh, ils vont sur end. Oh, ça serait dommage. Ça serait dommage. Oh là là. Bon, ben voilà, fin de la game. Fin du game, très bien. Ça sera fini un peu vite, je suis désolé, dommage. Mais oui, il faut savoir que voilà, à bas niveau, vous prenez un ace, ça y est, la game est terminée. c'est ridicule, mais c'est comme ça. Bon. Bah du coup c'est une défaite voilà pour cette première game commentée. Donc je pense qu'il y en aura d'autres. Je me suis plutôt amusé, j'espère que ce sera pareil pour vous. Et j'espère que la prochaine ça sera une victoire. Voilà, clairement bon, j'ai un peu feed Kog'Maw. Enfin j'ai feed Kog'Maw. On va dire Annie a feed Kog'Maw et c'est un peu ma faute aussi. Et bon ouais, au niveau mental, la team a un peu craqué. Mais bon, c'est comme ça.